qu'à une mobilisation ici à la préfecture pour dénoncer les décisions arbitraires et injustes de la préfecture de Bobigny à l'égard des étudiants algériens, en leur refusant carrément le changement de statut, que ce soit d'étudiant à salarié ou bien d'étudiant à commerçant. C'est une décision qui est intervenue au courant de novembre, à laquelle on a répondu par un courrier qu'on a adressé à la préfecture, malheureusement qui est resté lettre morte. Suite à cela, on a fait un communiqué de presse relayé par la presse algérienne, mais aussi la presse française. Malheureusement aussi, la préfecture n'a pas daigné donner d'explication à ce problème. Aujourd'hui, on est dans l'obligation d'interpeller ici même la préfecture pour le retour du changement de statut, la possibilité du changement de statut, la régularisation des cas d'étudiants qui ont reçu malheureusement des OQTF suite au dépôt de leur dossier et le traitement automatique de toutes leurs demandes. Mais aussi, il ne faut pas l'oublier, il y a plein d'étudiants sans papier malheureusement qui sont obligés d'étudier la peur au ventre aujourd'hui. Cette injustice doit cesser, on doit régulariser ces étudiants, on doit leur permettre d'étudier et d'avoir les mêmes droits que tous les étudiants en France. Malheureusement, le consulat n'a rien qu'à voir ici à Bobigny, la situation où il est, la situation de l'accueil des étudiants et en général des ressortissants algériens, elle est inhumaine. Donc aujourd'hui, on ne peut pas demander à ce que l'Algérie fasse respecter des lois alors qu'elle-même ne les respecte pas. Donc apparemment, déjà à ma connaissance, j'ai récemment su qu'il y avait des députés pour l'immigration. Malheureusement, ils ne font pas leur travail. C'est juste des gens qui sont là pour servir le système, pour servir leurs intérêts et ne pas servir la communauté algérienne ici. Donc. Aujourd'hui, on est venu ici pour contre la décision de la préfecture concernant le changement de statut des étudiants qui a été malheureusement refusé. Il y a des étudiants qui ont reçu un QTF alors qu'ils ont demandé le changement de statut qui était en droit depuis longtemps. Mais parce que même s'il s'agit pour l'essentiel d'étudiants, leur combat est aussi le nôtre. D'une part parce que nous avons une certaine conception de la France, qui n'est pas la conception dominante aujourd'hui, mais qui est un pays qui doit être un pays d'accueil. Et la grandeur d'un pays, c'est aussi sa capacité de s'ouvrir au monde. Ça, c'est une première donnée. La deuxième chose, c'est que nous considérons que quel que soit l'endroit d'où on vienne, à partir du moment où on s'installe, on commence une vie ici, on doit pouvoir y vivre normalement et en toute tranquillité. Donc en particulier avoir des papiers, pouvoir travailler, pouvoir étudier, c'est quelque chose qui fait partie de nos principes et de nos valeurs et de notre vision de ce pays. Merci. Oui, je suis président de l'UNEF Paris 13, je m'appelle Jaïl Ferra, au sujet des étudiants algériens qui sont aujourd'hui lésés par une décision purement arbitraire. Notamment, c'est des étudiants qui jusque-là avaient l'autorisation qui est régie du coup par les accords franco-algériens de 68 de pouvoir changer de statut depuis le statut étudiant sur lequel ils arrivent avec un titre de séjour étudiant, puis un visa étudiant, avec un visa étudiant puis un titre de séjour étudiant, jusqu'au statut de salarié. C'est un changement qui est légal pour ces étudiants-là, mais aujourd'hui, avec cette prise de position qui est purement arbitraire, sans justification légale, c'est des étudiants qui se retrouvent avec des OQTF, avec des obligations de quitter le territoire, parce que la préfecture, sans forcément justifier cette décision, mais du coup, à partir d'aujourd'hui, refuse ce changement.